Je pense que toute personne pourrait faire ce magnifique métier, si on peut appeler ça un métier qui pour moi est un peu plus que ça. Je suis Saïda Bey et tout le monde m'appelle Saïda. J'ai une forte relation avec les fleurs. J'en fais mon activité depuis plusieurs années. Nous avons plusieurs points de vente, aussi un atelier. Nous proposons des découvertes d'art floral et nos prestations vont de la simple petite boutonnière aux grands événements corporate, mariage, etc. La manière dont je me définis, c'est que je suis plus qu'une passionnée, une obsédée des fleurs. Et je crois que c'est comme ça que je me vois. L'école d'art floral a justement été conçue pour les personnes qui veulent en faire une activité, un métier, une vocation. Et enfin, dans le programme de l'école d'art floral, en plus de la floristerie et d'autres cours de management, de self-management aussi, de marketing et de digital marketing, nous proposons l'intervention de master floristes qui viennent tous de l'étranger pour étoffer et pour donner encore un magnifique panorama de ce qui se passe sur la scène internationale. Le but derrière tout ça, c'est d'essayer de copier un peu ce que Mère Nature nous propose. Le but est de faire en sorte à ce que lorsqu'on reçoit un bouquet, en offrant en cadeau, qu'on soit ému et ébloui. Et c'est cette sensation qu'on va garder toute sa vie. On oubliera probablement la couleur du bouquet. Je mets souvent dans nos citations sur Instagram ou dans nos publications « A rose is a rose is a rose is a rose ». J'aime beaucoup ce vers d'un poème de Gertrude Stein, justement pour dire que les choses sont ce qu'elles sont et après tout, c'est ce que c'est et rien d'autre.